Lors de cette 24e journée, le PSG s'est imposé 8 à 0 face à Reims grâce à un but de Cavani à la 37e, son 10e de la saison. Le PSG reste 5e de Ligue 1. La rencontre en Evian MS a été reportée suite à la non-venue des joueurs. La LFP leur a tiré 2 points à chacun des clubs. Le match devait se jouer mardi, n'a toujours pas été joué. Il sera donc joué aujourd'hui à 18h30. L'OGC Nice reste relégable avec sa défaite 3-0 contre Toulouse. Triplé de Ben Yedder au 49e, 68e et 90e minute. Toulouse reste seul 7e du classement. Cette 24e journée a vu une surprise, la défaite du PSG 3-0 contre Monaco. Triplé de João Moutinho, les 3 buts de la tête. 49e, 50e et 69e minute. L'AS Monaco reste au milieu du classement. Metz est sorti du podium à cause de ses 2 points perdus. C'est Caen qui monte pour la première fois grâce à un but de Thomas Lemar sur coup franc. Victoire 8 à 0 de Thomas Lemar de Caen. La rencontre Bastia-Metz n'a donc pas été. Elle était jouée mardi. Elle sera donc jouée aujourd'hui. La Sajaccio n'a pas su faire mieux que le pont du nul face à Lorient. La Sajaccio garde sa deuxième place. Lille et Lens dans ce derby du Nord n'ont pas pu être partagés. Lens garde sa dixième place. Lens garde sa 9e place, Lille est toujours 10e. Et enfin, Sochaux a été balayé 3 buts. Sochaux a balayé Guingamp à domicile 3-0, plutôt à l'extérieur. Triplé de Sun Tzu, 49e, 70e minute, 88e, victoire 3 buts à 0 pour les Sochaliens. Les conséquences au classement, Valenciennes qui s'empare de la première place, qui a plus de 205 points d'avance. Caen est sur le podium, c'est au retrait de points du FC Metz. Paris occupe désormais la 5e place, ne visant plus haut en cette fin de saison. Sochaux occupe seul la 6e. Toulouse reste la victoire, retourne toujours à 8e. Monaco est loin devant Lens. Lille et Lens sont statu quo, la différence de but est surtout avantage au LOSC. Comme on vous l'a dit, Lorient est la seule équipe du bas de classement à occuper la 11e place avec plus de 60 points. Guingamp qui aurait pu avoir plus de 60 points si ce n'était pas incliné. Evian garde ça. Evian qui était 12e et désormais 13e à la différence de but. Entre Bordeaux 17e et Nice avant-dernier, un seul point. Entre Bordeaux 17e et Saint-Étienne dernier, seulement 2 petits points les séparent. Le programme de la 25e journée avec Sochaux Bastia. PSG Caen le samedi à 17h. Le samedi à 21h, 5 matchs en direct. Bordeaux-Nice, Saint-Étienne-Toulouse, Guingamp-Lyon, Nantes-Valenciennes, Evian-Monaco, Stade de Reims, RC Lens, FC Lorient, AS Monaco, Metz, Lille et enfin Bordeaux-Monaco.